tout ce que l'on sait par rapport à Zoro et au clan Shimotsuki. Donc comment on va le faire, c'est qu'on va citer toutes les références qui les lient. Donc si vous aimez One Piece, aimez cette vidéo, ça aide aussi énormément la chaîne. Donc si vous voulez nous aider à progresser, voilà, lâchez un pouce. Abonnez-vous aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos et mettez la cloche de notification. Comme ça, vous êtes notifié dès qu'une nouvelle vidéo sort. Donc cette semaine, on a fait à peu près une vidéo tous les jours. Donc montez sur le bateau et vivons ensemble cette aventure, les gars. On rentre dans le vif du sujet, juste après l'intro. Alors, Maître Oda nous a encore une fois montré qu'il a un don extraordinaire pour le foreshadowing. Parce que les gars, il avait déjà planté les indices quant à l'héritage de Zoro dans son enfance même. Et on le voit justement avec la première référence, qui est la ville d'enfance de Zoro et sa rencontre avec Kuina. Donc, le lien entre Zoro et le clan Shimotsuki commence dès son plus jeune âge, étant donné qu'il grandit déjà au village Shimotsuki, mais aussi apprend la voie de l'épée au dojo Shimotsuki, où il fait justement la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Kuina, qui semble être la seule Koshiro exclue à pouvoir le battre. Il fait alors de cette jeune fille sa rivale, sans pour autant savoir que cette même fille est la descendante de Kozaburo Shimotsuki, qui est un grand forgeron de Wano et supposé fondateur du village Shimotsuki. Mais on reviendra à lui bientôt lorsqu'on abordera tout ce qui est Onigashima et Wano. Ainsi donc, avec sa rivale, Zoro combattit, mais il n'arrive jamais à la battre. Contre elle, il essuie 2001 défaites, où justement, pour la dernière, il se fait une promesse sous la lune que l'un d'entre eux deviendra le plus fort épéiste du monde. Sauf qu'on a une tragédie qui vient frapper et qui vient secouer le jeune Zoro. Son ami et rival Kuina vient de mourir suite à une chute dans les escaliers. Donc il faut noter les gars qu'au Japon, chuter dans les escaliers, c'est un euphémisme pour le suicide. Car on apprend avant le duel de Zoro et Kuina que Kuina a entendu son père dire qu'elle ne pourrait pas devenir la plus forte épéiste, car c'est une femme et qu'elle se verra dépassée en termes de force physique par les hommes. Ce qui, si Oda cherchait à faire un euphémisme pour le suicide, en serait sûrement la raison. Donc, après cette tragédie, on a un Zoro désemparé qui demande justement à Koshiro, père de Kuina, de lui offrir le sabre de cette dernière, le Wado Ichimonji, qui d'ailleurs a une importance capitale dans la lignée des Shimotsuki, mais l'importance du Wado Ichimonji, on l'ignorait encore à l'époque. Ainsi, en promettant à son père de prendre sa part d'entraînement et de porter son rêve, Zoro jure un jour devenir le plus fort épéiste du monde, si fort même que Kuina entendra son nom jusque dans les cieux. Et donc, c'est ainsi que le Wado fut offert à Zoro de la part de Koshiro. Donc, on a sa ville où il a grandi et son lien avec Kuina qui devient la première référence. Passons alors à la deuxième référence, qui est sa rencontre avec Ryuma, leur grande ressemblance physique, les similarités dans leur style de combat et aussi l'héritage de son épée. Donc, les années passent, Zoro a maintenant 19 ans et il a aussi complété son entraînement au dojo Shimotsuki. Il s'en va donc pour poursuivre son rêve qui est de devenir l'épéiste le plus fort du monde, mais comme à son habitude, il se perd en chemin. Donc pour ceux qui peut-être viennent de commencer One Piece, une petite info, Zoro peut même se perdre sur une ligne droite. Comme ça, vous êtes prévenus. C'est ainsi qu'après une altercation avec El Meppo, le fils d'un capitaine de la marine, il est capturé, mais cette capture changera justement son destin. Donc après plusieurs jours de captivité, il se retrouvera nez à nez avec Luffy, l'homme qui deviendra son capitaine et futur roi des pirates, qu'il a rejoint, et à qui il a promis de couper la tête s'il se dressait entre lui et son rêve, mais qui, par la suite, sera l'homme pour lequel il sera non seulement prêt à abandonner son rêve, mais aussi même sa vie. Ainsi, Zoro devient le bras droit de Luffy, et tous les deux s'en vont à la recherche de membres et d'aventures. Nouveaux membres, défaites, capitaine corsaire, gouvernement mondial, amiraux, Yonko, tant d'aventures et d'obstacles se sont dressés sur leur chemin, mais ne leur a pas empêché de progresser et d'aller de l'avant. Mais pendant leur aventure, une rencontre en particulier renforce le lien entre Zoro et le clan Shimotsuki. Celle de Ryuma, ou plutôt de son cadavre, pendant l'arc Thriller Bark, bateau du capitaine corsaire Gecko Moria, qui, avec le pouvoir de manipuler les cadavres en leur insufflant une ombre, peut créer des zombies. Ce dernier avait donc volé le corps de Ryuma, qui est un samouraï légendaire membre du clan Shimotsuki ironiquement, dont la tombe se trouvait justement à Wano, pays des samouraïs, et lui avait donné l'ombre de Brook, un musicien squelette perverti qui deviendra notre Nakama par la suite. Donc, Zoro sauvait alors ce dernier du zombie de Ryuma
et un affrontement entre les deux a suivi. Le combat est extrêmement égal, au point où Brook dit qu'il ne se jouera qu'à un coup décisif. Mais notre squelette préféré remarque aussi quelque chose d'autre. Une ressemblance entre les deux dont les lames se croisaient, leur style de combat misant sur la force de l'esprit et la force physique, mais aussi la ressemblance entre leur force et structure musculaire, qui, dans le vrai monde, se retrouve souvent chez les membres d'une même famille. Mais bon, nous y reviendrons. Le combat arrive à une conclusion avec un Zoro victorieux, mais tout n'est pas fini. Avant de disparaître, Ryuma dit à Zoro que son épée Shisui avait envie qu'il devienne son prochain maître, et ainsi offre son épée à Zoro avant de voir son cadavre brûler. Cette même épée sera plus tard, elle aussi, d'une importance capitale. Donc la rencontre avec Ryuma, leur grande ressemblance physique, les similarités dans leur style de combat et l'héritage de son épée deviennent la deuxième référence. On passe à la troisième référence, sa rencontre avec Yasuie Shimotsuki. La bande réussira à vaincre Moria et poursuivra ses aventures sur la mer bleue. C'est après plusieurs complications qu'ils arrivent à leur obstacle le plus récent, qui est un Oni, race ancêtre aux géants, et aussi un dragon réputé comme la créature la plus forte du monde et comme une bête invincible, Kaido, capitaine de l'équipage des 100 bêtes, et empereur des mers aux côtés de Shanks, Big Mom et Barbe Noire. Ce dernier se trouve être le despote occupant Wano, pays des samouraïs, dont Ryuma est originaire et l'ensemble du clan Shimotsuki. On apprend aussi que c'est pendant son affrontement avec Kaido que Moria avait volé le corps de Ryuma et son épée Shusui, qui se trouve être un trésor national et dont, pour les habitants de Wano, était la raison pour laquelle ce désastre avec Kaido avait commencé. Donc, sans la présence spirituelle de son dieu de la lame Shimotsuki Ryuma et de son shogun en devenir Oden Kozuki, le pays de Wano tomba sous le contrôle du serpent Orochi et du dragon Kaido, qui plus tard exécuteront Oden à son retour d'aventure avec le roi des pirates, Goldie Roger. C'est donc suite à son exécution que Toki, femme d'Oden, envoya quelques de ses plus fidèles vassaux et l'un de ses enfants, plus précisément son fils Momonosuke Kozuki, dans le futur pour libérer Wano, et gardant sa fille Yori ainsi que d'autres vassaux dans le présent pour que la lignée Kozuki ne soit pas éteinte. C'est en allant justement à la recherche d'alliés que les vassaux rencontrent l'équipage des Mugiwara. Donc on les a rencontrés pour la première fois à Penkazar, puis on est allé à Dressrosa ensemble, puis à Zo, et puis on est arrivé à Wano. Donc, il se lie donc d'amitié avec ces derniers, qui se trouvent ironiquement avoir comme but de vouloir faire tomber l'empereur tyran en la personne de Kaido. Ce qui explique leur venue sur Wano avec les samouraïs du clan Kozuki. Donc, les références au clan Shimotsuki et Zoro à Wano commencent alors à ce moment-là. La première personne avec qui Zoro se familiarise à Wano, un homme du nom de Tonoyasu, qui est en fait un ancien daimyo de la région d'Akumai, que Zoro avait ensuite voulu venger après son exécution ordonnée par Orochi, se trouve avoir comme vrai nom Yasuie Shimotsuki. Donc c'est aussi la première référence au clan Shimotsuki à Wano. La quatrième référence n'arrive que très tôt après, lorsque Zoro se fait voler Shisui, et c'est la rencontre d'Onimaru, ancien compagnon d'Ushimaru Shimotsuki. Donc, Zoro se fait voler Shisui, l'épée de Ryuma Shimotsuki, par un bandit du nom de Gyukimaru, qui se trouve en fait être un renard et en mange le fruit du moine. Protégeant justement les tombes de Ringo, dont les pierres tombales sont les épées des défunts, qui leur sont données depuis le jeune âge et qui les ont accompagnés durant toute leur vie, et sont souvent convoités par les pierres de tombe, car ce sont de très bonnes épées. La région de Ringo était aussi sous le contrôle de la famille Shimotsuki, avec comme daimyo Ushimaru Shimotsuki. Il nous est aussi dit que les habitants de cette région étaient d'une résistance impressionnante, ce qui est un point important pour ce qu'on abordera plus tard. Ce renard avait volé l'épée Shisui pour la ramener donc sur la tombe de Ryuma Shimotsuki, et il était, par le passé, l'animal de compagnie du daimyo de Ringo, Ushimaru Shimotsuki, et se nommait Onimaru. Donc, la deuxième personne qui se familiarise avec Zoro sur Wano est également étroitement liée au clan Shimotsuki. C'est donc la quatrième référence. Maintenant, la cinquième référence. Les deux lames Enma et Wado, portées par Zoro, sont l'œuvre de Kotzaburo Shimotsuki. Donc après quelques événements, Zoro décide de rendre l'épée Shisui au pays de Wano, après la demande d'Iori, fille d'Oden, qu'il a rencontrée suite à lui avoir sauvé la vie, et aussi avec qui il a passé une nuit bien au chaud. Elle lui a justement promis une compensation en lui offrant l'épée de son défunt père, Enma, qui est la seule épée à avoir pu blesser Kaido. Donc Zoro accepte, sous condition qu'après la bataille, on le laisse visiter la tombe de Ryuma, parce que selon lui, ils sont devenus liés dans l'âme suite à leur combat à Thriller Bark. Ce qui laisse Iori et un des vassaux d'Oden, Kawamatsu, perplexes, étant donné que Ryuma était mort il y a déjà des centaines d'années. Mais on ne leur en veut pas, ils n'étaient pas à Thriller Bark avec nous. Quelques jours passent,
et juste avant le raid sur Onigashima, Zoro reçoit Enma de la part de Tenguyama Itetsu, un forgeron de Wano, qui gardait justement les épées d'Oden. Ainsi, il donna Enma à Zoro et Amino Abakiri, deuxième épée d'Oden, à son fils Momonosuke, qui, ne se sentant pas prêt, lui demanda de la garder. Après son entraînement avec sa nouvelle épée commencée, Tenguyama vient alors voir Zoro. Il reconnaît son Kitetsu et lui fait la confession qu'il est celui qui l'a forgé. Il révèle ensuite qu'Iori a dû lui offrir Enma en remarquant la ressemblance avec son Wado Ichimonji. Elle lui précise que si les deux épées se ressemblent, c'est parce que les deux ont été forgées par le même homme, un génie forgeron, Shimotsuki Kozaburo. Ainsi, l'épée que Zoro a depuis son enfance, qu'il a récupérée de sa défunte amie, et l'épée qu'il a récupérée d'Iori Kozuki sont toutes les deux forgées par un membre du clan Shimotsuki. Passons à la sixième référence. Son style de combat similaire à celui d'Ushimaru Shimotsuki. Donc, Itetsu nous apprend ensuite que Kozaburo avait quitté Wano illégalement, un détail qui nous sera utile pour la prochaine partie. Arrive ensuite le raid sur Onigashima. Après une incroyable bataille contre Yonko sur le toit, Zoro est forcé de récupérer. Il est remis sur pied par notre docteur Tonakai, Chopper, et par Miyagi, un docteur Minx, qui possédait avec lui un sérum capable de soigner toutes les blessures sur le moment, mais avec un contre-coup de douleur double après 30 minutes. Suite à se l'être fait injecter, Zoro et Sanji entament leur bataille contre les Okanban, commandants de Kaido. Zoro affronte donc King, premier commandant, et Sanji affronte lui Queen, deuxième commandant. Lors de la bataille avec King, une discussion entre Kawamatsu et Yogoro, mentor de Luffy sur l'art du Ryo et ancien chef Yakuza de Wano, débute sur Zoro et son physique, mais aussi sur son style de combat et sur la coïncidence de sa venue. Il est alors noté par eux que Zoro a le même style de combat que l'ancien Daimyo Oshimaru Shimotsuki. Ensuite vient la septième référence, la ressemblance à Ryuma étant un samouraï born. Donc, il est mentionné dans la même discussion que c'est une incroyable coïncidence que Zoro soit celui qui est ramené à Wano l'épée Shisui, ancienne propriété de Ryuma, et que comme par hasard, tout comme Ryuma, Zoro était aussi un samouraï born. Vous vous rappelez que j'ai précisé que les habitants de Ringo étaient connus pour la résistance, et aussi que j'ai dit, quand je parlais de Ryuma, que certains aspects physiques peuvent se retrouver chez les membres d'une même famille. C'est ce qui va justement faire notre huitième référence. La résistance incroyable de Zoro semblable à celle des habitants de Ringo, région gouvernée par le clan Shimotsuki. Donc, Zoro a été reconnu par Nami comme le membre le plus résistant des Mugiwara, car il est vrai que même si leur capitaine a la possibilité de toujours rebondir comme son frère lui permet, Zoro lui est difficile à faire tomber. Comme sur Thriller Bark, lorsque Luffy était déjà évanoui pour cause de ses blessures et que pour sauver Luffy de Kuma, Zoro a accepté de se sacrifier en prenant toute la douleur et la fatigue de son capitaine en plus de la sienne, qui était déjà suffisante pour l'empêcher de pouvoir bouger son corps à sa volonté suite à son combat contre Orz, qui était devenu un zombie grâce à l'ombre de Luffy. Et même après tout ça, en additionnant sa fatigue et sa douleur à celle de son capitaine, il est resté debout. Si ce n'est pas suffisant à montrer justement la résistance de Zoro, alors rien ne peut. C'est déjà beaucoup, mais c'est pas tout. Puisqu'on a notre neuvième référence, sa ressemblance frappante avec Ushimaru Shimotsuki. Lorsqu'Ushimaru Shimotsuki nous est montré, on peut apercevoir qu'il ressemble à Zoro comme littéralement deux gouttes d'eau, ce qui est justement le titre du chapitre dans lequel Ushimaru est révélé. Suite à cette révélation, beaucoup de théories ont circulé sur le fait qu'Ushimaru pourrait non seulement être le père de Zoro, mais aussi l'amiral Green Bull, le taureau vert, dû au Ushi présent dans son nom qui veut dire taureau en japonais, et à sa tenue montrée dans l'animé illustrant des taureaux verts. Aussi, vu la puissance et le talent de Zoro, il serait tout à fait crédible que son père soit un amiral de la marine. Mais dans le SBS 101, Oda a tenu à préciser qu'Ushimaru n'était pas le père de Zoro. Est-ce qu'il le pensait vraiment, ou est-ce qu'il voulait nous éloigner de la vérité pour ne pas spoiler la suite de son manga? C'est un sujet pour une vidéo qui sortira bientôt, donc soyez prêts, abonnez-vous et activez la cloche. Ensuite, pour la dixième référence, on a la cover du chapitre 1031. Donc la cover du chapitre 1031, elle met à l'honneur tous les seconds d'équipage. Donc on peut voir Sabo, Shilu, Beppo, Rayleigh, Beckman, King, Katakuri, Killer et Marco. Mais on voit Zoro en avant. Et si on fait attention et qu'on regarde sur le One Piece, sur le haut, on voit un emblème. Et ce même emblème est l'emblème du clan Shimotsuki. Donc, la cover du chapitre 1031 est le dixième clin d'œil de Maître Oda.
Pour finir, on a une 11e référence. Zoro qui découpe un dragon lors de la dernière page du chapitre 1035. Lors de son combat contre King, Zoro est mis en difficulté au départ, mais suite à l'éveil de son haki des rois avancé et de sa compréhension du fonctionnement des pouvoirs de King, il reprend l'avantage sur ce dernier. Et à la fin du combat, lorsque King lance son attaque finale sur Zoro, qui s'appelle d'ailleurs le dragon de feu impérial, le grand dragon de feu impérial même, qui est un dragon de feu semblable à Kaido, ce dernier le découpe pour asséner à King, ce qui ressemble au coup final du combat. Ironiquement, il se trouve que dans le roman Monster d'Oda, Ryuma lui aussi découpe un dragon, ce qui nous fait notre 11e et dernière référence. Donc, pour résumer, on a, comme référence au lien entre Zoro et le clan Shimotsuki, la ville d'enfance de Zoro et sa relation avec Kuna, sa rencontre avec Ryuma et leur grande ressemblance physique ainsi que les similarités dans leur style de combat et l'héritage de son épée, sa rencontre avec Yasuyo Shimotsuki, sa rencontre avec Onimaru, ancien compagnon d'Ushimaru Shimotsuki, les deux lames Enma et Wado qui sont portées par Zoro et qui sont l'œuvre de Kozaburo Shimotsuki, le style de combat similaire à celui d'Ushimaru Shimotsuki, la ressemblance à Ryuma étant un samouraï born, la résistance incroyable de Zoro semblable à celle des habitants de Ringo, région gouvernée par le clan Shimotsuki, sa ressemblance frappante avec Ushimaru Shimotsuki, l'emblème Shimotsuki présent sur la cover du chapitre 1031 et la dernière page du chapitre 1035 qui est semblable à celle de Ryuma dans le roman Monster. Par contre, pour la numéro 11, il y a un petit problème. La différence est la suivante. Ryuma a découpé un dragon qui menaçait de détruire Wano au-dessus de la capitale des fleurs et devant toute la population, ce qui alimenta la réputation de Ryuma comme d'un dieu de la lame ayant découpé un dragon. Alors que Zoro ne découpe qu'un faux dragon fait de flammes, avec personne pour en témoigner, et ce fait n'alimentera pas sa réputation en tant que découpeur de dragons, ce qui porte à croire que malgré la référence, il n'a pas accompli la même chose que celui qui paraît, avec toutes ses références, être son ancêtre. Mais sa chance n'est pas encore passée. Après tout, par coïncidence ou pas, il reste encore un dragon sur la capitale de Wano, et celui-là, il est réel. Il est à présent au-dessus de la capitale, de plus, il menace aussi de détruire Wano, et a d'ailleurs déjà commencé ce processus. Le découpé fera forcément naître une nouvelle légende de découpeur de dragons, étant donné son rang d'empereur. Après tout, celui-là même qui a été le seul à infliger une cicatrice permanente au monstre Kaido depuis Oden Kozuki, et qui aura forcé l'empereur Big Mom à demander à ce dernier d'esquiver urgemment son attaque, a récemment vu ses pouvoirs et sa force grandir exponentiellement. S'il y a quelques chapitres, Big Mom avait pressé Kaido d'esquiver son attaque à une lame. Qu'en sera-t-il d'une attaque de son nouveau style à trois lames du roi des enfers, recouvert de son haki des rois? Serait-il là une chance pour notre sabreur de se faire la même renommée que son ancêtre et de devenir, aux yeux du monde, le second Ryuma, en découpant un dragon menaçant de détruire Wano au-dessus de la capitale, devant les habitants qui en ce moment même célèbrent tous réunis? Après tout, la dernière case du chapitre 1035 nous dit que même les dragons peuvent être découpés d'un seul de ses coups d'épée. Pour le savoir, ne ratez pas mes prochaines vidéos, ce sujet arrive bientôt. Si vous avez kiffé, aimez la vidéo, ça aide énormément la chaîne, il n'y a qu'avec vous qu'on peut le faire. Abonnez-vous aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos et activez la cloche pour être notifié dès qu'une vidéo sort. Un dernier fait amusant, le mot Shimotsuki est le nom traditionnel du mois de novembre et coïncidemment, l'anniversaire de Zoro se trouve aussi être en novembre. Allez, c'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous.